Bonjour amis Verseau, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre astro du mois d'octobre. Alors aujourd'hui, on va travailler avec trois jeux différents. My Witchy Oracle, avec lequel on va tirer une carte qui va déterminer un peu les énergies globales du mois ou éventuellement un événement marquant. Ensuite, on va affiner le tirage avec trois cartes du Beautiful Creatures Tarot. Et puis, on terminera avec une carte du Inktober Oracle Deck qui nous permettra en fait d'avoir un message ou un conseil pour la fin du tirage. Donc, on va démarrer tout de suite avec My Witchy Oracle. Voir un peu quelle énergie se présente à vous pour ce mois d'octobre. Alors, hop, on mélange un peu et on va couper le jeu et on va choisir donc une carte, allez, celle-ci. Ah, on a la carte du grimoire. Alors, je l'ai déjà eue pour quelqu'un d'autre, pour un autre signe. Donc, en fait, la carte du grimoire, elle fait partie des secrets de sorcière dans ce jeu, dans cet oracle. Elle va nous parler de secrets, elle va nous parler de formules magiques, évidemment, de souhaits, de prières, donc tout ce que l'on peut mettre dans un grimoire, des recettes, etc. Et de mantras aussi, des choses qu'on peut se répéter au quotidien pour aller mieux, par exemple. Voilà, donc c'est une carte magique qui va nous parler surtout de faire aussi le point sur certaines choses, d'écrire un peu les choses qui nous tiennent à cœur, d'essayer de les réaliser. Vous savez qu'on peut écrire nos objectifs et en les écrivant souvent, eh bien, ils prennent forme un peu mieux dans notre tête et c'est comme ça qu'on arrive à concrétiser certaines choses. Donc voilà, ça parle de tout ça, la carte du grimoire. Alors, on va regarder ce qu'il en est au niveau du tarot. On va voir un peu pour affiner cette carte du grimoire. Allez, on va couper. Et donc, on va tirer trois cartes. Pour un petit peu détailler ce tirage. Alors, donc nous avons la carte du monde, nous avons la carte du 9 de coupe et la carte de la grande prêtresse. Bon, alors là, franchement, c'est un superbe tirage. Donc, le monde, ça nous parle déjà de succès, d'arriver à ses objectifs. Donc, les objectifs qui étaient peut-être dans ce livre que vous aviez peut-être inscrit dans ce grimoire arrivent à terme. Voilà, vous êtes couronné de succès, il y a une transformation qui se produit. Voilà, tous les honneurs vous sont rendus, hein, vous êtes entouré, vous êtes adulé. On vous félicite, donc ça peut être aussi par rapport à votre travail, par exemple. Vous avez peut-être accompli quelque chose qui fait que, voilà, on vous récompense, vous avez du succès. Donc c'est une carte qui est très très bonne au niveau des énergies. Puis elle va parler du monde, elle va parler peut-être d'un voyage que vous envisagez, d'un déplacement peut-être un peu lointain. Elle va parler de toutes ces choses-là aussi, de la façon qu'on a d'aborder les autres. Hein, le monde, c'est les autres. Voilà, et puis aussi de personnes peut-être qui sont différentes de vous et avec lesquelles vous communiquez. Le monde, c'est l'étranger, donc ça peut être aussi les personnes qui vivent à l'étranger. Voilà, ça peut représenter tout ça. En tout cas, ce sont de bonnes énergies qui sont en plus confirmées par le 9 de coupe. Alors le 9 de coupe, c'est l'abondance, hein, regardez, avec le raisin, la récolte de Mabon qui est fructueuse, qui nous a emmené des belles choses, je l'espère, pour la plupart d'entre vous. Donc, on est vraiment dans une phase d'abondance. Voilà. Le grimoire va contenir des recettes. Dans une recette, il y a des ingrédients. Et vous utilisez les bons ingrédients pour arriver justement à concrétiser vos objectifs. Et comment vous y arrivez? Eh bien, parce que vous suivez votre intuition.
Vous suivez votre sagesse intérieure qui est votre guide et c'est ça qui vous amène en fait à la réussite, de toujours être aligné avec vous, avec votre intuition et avec vraiment ce que vous ressentez au plus profond de vous. Voilà un beau mois d'octobre qui se dessine pour vous les Verseaux. Alors on va regarder avec l'oracle quel message, quel conseil vous allez avoir pour ce mois qui arrive. Allez, on va regarder tout ça. Allez, on va dire que c'est celle-ci pour vous. On a la carte de l'imposteur. Alors, cette carte, elle vous invite vraiment à tomber définitivement le masque qui pouvait vous faire passer pour quelqu'un que vous n'êtes pas, et même aux yeux de vous-même, en fait. Hein, c'est pas qu'aux yeux des autres. Vous avez tendance, en fait, à vous conformer à certaines règles que les autres établissent et à ne pas vous montrer tel que vous êtes. Or, ce tirage nous fait vraiment penser que vous allez enfin sortir de votre coquille, que vous allez suivre votre voie intérieure pour vous montrer tel que vous êtes. Ça, c'est la première chose. Et ça vous donne aussi une indication. Alors, je l'ai déjà eu dans un autre tirage, justement, cette carte. Ça vous dit aussi attention aux personnes qui vous entourent, qui sont jalouses, qui sont envieuses, qui, sous leurs airs bons, ne sont pas forcément de belles personnes. Et voilà, attention à de qui vous vous entourez. Entourez-vous de gens qui sont comme vous, qui sont sur la même vibration que vous, et vous verrez que les choses se passeront très bien. Mais voilà, faites attention, hein, ça vous donne un petit peu une alerte. Et puis, si on ne vous apprécie pas tel que vous êtes, eh bien, c'est qu'on ne vous mérite pas. Voilà, vous êtes une belle personne telle que vous êtes et vous n'avez pas à changer pour plaire à l'un ou à l'autre. Donc, cette carte, elle parle de ça aussi, de s'affirmer, d'affirmer son identité. Voilà. Voilà pour vous, amis Verseaux. J'espère que ce tirage vous a plu. Et je vous retrouve le mois prochain pour un nouveau tirage astro pour le mois de novembre. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à très vite. Prenez soin de vous. Bye bye.